Je m'appelle José Morel, je suis professeur de PS au lycée Rotrou à Dreux. Je vais porter la flamme dans cette ville le 7 juillet. J'ai toujours vécu dans le monde du sport, c'est mon métier. J'ai porté la flamme en 92, donc pour les Jeux Olympiques d'hiver à Albertville. On a été porter la flamme dans le Loiret. Là, j'étais vraiment très heureuse d'avoir l'opportunité de reporter la flamme une deuxième fois, parce que c'est vraiment un plaisir, surtout quand on est vraiment dans le monde du sport. Les Jeux Olympiques, c'est pas rien. Donc j'étais vraiment contente, et puis en plus je trouve ça sympa que ça soit dans la ville où je suis née, où je travaille, où j'habite. À l'annonce de cette sélection pour le portage de la flamme olympique à Dreux, ma famille était contente. Il y a eu un article dans le journal local, et donc beaucoup d'élèves sont venus me voir et m'en ont parlé. C'était vraiment très positif, ils étaient contents, ils étaient surpris, ils demandaient comment j'avais fait, ce que ça me donnait comme sentiment. Sur le plan personnel, moi, j'étais cavalière de saut d'obstacle. Ça a été une passion 20 ans de ma vie. Plus, j'ai fait aussi de l'athlétisme. Maintenant, je fais de la randonnée en montagne. Voilà, le sport, quand on aime ça, c'est pas... on peut en faire un petit peu tous les jours. C'est toujours un plaisir. En attente de ce 7 juillet, je suis relativement sereine. Il y a vraiment zéro stress. Après, moi, j'essaie de profiter de chaque moment. Donc voilà, c'est une attente sereine.